Bon allez, salut les abonnés. Hein. Une nouvelle journée détection. Donc c'est le fameux champ, la dernière vidéo. Hein. Enfin, l'avant-dernière vidéo, excusez-moi. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Et puis après, vous voyez, si vraiment ça donne rien, j'ai aussi celui-ci là-bas. Et une partie de celui-ci. Voilà. Voilà. Et là, j'ai ma fille qui est avec moi, ma compagne, et un de mes chats. Voilà, on lui fait faire une petite balade à ce gros chat. Comme vous pouvez voir. Hop. Ah, tu montes, gros Molly? Voilà. Gros Molly. Ça, c'était le chat bah, quand il était tout petit. Hein. Voilà, et là maintenant bah, il a grossi, hein. C'est normal. Hein. On a laissé le deuxième à la maison parce qu'il a un peu peur. Hein. Il n'aime pas trop sortir en fin de compte. Voilà, et puis bon, bah écoutez, tout simplement ce que je vais faire, ben, je rallume à la première trouvaille et puis j'espère juste que ça va donner quelque chose ce champ. Hein. Voilà. J'ai dit dans la vidéo, non, je l'avais pas dit dans la vidéo, mais c'est dans le bois de l'autre côté que j'avais fait ma première douce denier et ma belle cloche. Voilà, j'y retournerai peut-être une fois si j'ai envie, on verra. Mais déjà, on va déjà s'attaquer à ce champ et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà, hein, gros chacha, viens, le gros chat. Alors, ici, j'ai mon gros pepper. C'est mon gros minou. Hein, tu dis bonjour aux abonnés? Chat de garde. C'est mon chat de garde. Voilà. Au cas où s'il y a la drague qui m'attaque. Allez. Allez, tchuss. Prochaine première trouvaille. Allez. Allez, première vraie trouvaille pour moi. La voiture est là-bas. Donc je fais cet étranger là, juste pour l'instant. Là-bas, j'ai fait un vieil éclat d'obus. Un éclat d'oubli. Et puis j'ai fait aussi un reste de plomb. Je sais pas ce que c'était. Aucune idée. Et là, ma première belle trouvaille, elle est là. Voilà, si vous pouvez voir, quand même assez profonde. Voilà, elle est là. Hop. Un reste de cuillère. Et ça m'a l'air d'être de l'argent. Ça, pour moi, c'est de l'argent. Encore une inscription dessus. En tout cas, c'est de l'argent, ça c'est sûr. C'est une vieille cuillère en argent. Voilà, donc, c'était pas donné à tout le monde à cette époque d'avoir des cuillères en argent comme ça. Voilà. Donc, allez. Ça peut être prometteur, hein, ce champ. Allez, je ramène ma prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle trouvaille pour moi. Pour moi, je suis tellement con que j'ai dit encore pour moi. La dernière était là-bas, vers le bout, hein, au milieu du champ quasiment. J'ai fait encore 2-3 merdouilles. Moi, une bastos, un gros éclat d'obus. Et juste ici, ma première monnaie. Voilà, allez, elle est là. Voilà. J'en chie quand même pour creuser. Voilà, j'en chie parce que ça, c'est. Et elle est là. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? Ça m'a l'air, ça vaut ça. Il y a peut-être quelques restes. Il y a peut-être quelques restes, mais bon. Ça, c'est fin. Je pense des sols à l'écu. Oui, ça doit être un sol à l'écu. C'est pas du format d'impôt, ça c'est sûr. S'il y a quelques raies, je mettrai une photo. Je mettrai une photo au nettoyage. Voilà. Allez, prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle trouvaille pour moi. Après la monnaie qui était juste là-bas. Là, c'est un bouton. Je viens déjà de le sortir de terre. Voilà. Un petit bouton. Allez, j'arrive à ma prochaine trouvaille. Next. Allez, nouvel objet pour moi, insolite.
J'ai fait la monnaie, je crois, alors là. Hein. J'étais au bout du champ. J'ai fait comme ça. Hop là, je suis revenu par ici. Je sais, ça fait un peu cinéaste, un con, mais bon, c'est pas grave. Et là, j'ai trouvé un solide, regardez. Super. Voilà. Aucune idée de ce que c'est. Là, c'est joli. Je pense que c'est pour les œufs à la coque. Les œufs à la coque ou peut-être un pied, je sais pas. Je pensais à un truc, un présentoir pour les œufs à la coque. Un coquetier ou un coquier. Voilà. Nickel. C'est joli. Un solide coup de travail. Super, ça fait plaisir. Voilà. Allez, bah, c'est nickel. Bon, allez, je continue. Allez, next. Trouvaille. Désolé pour le vent. Hein. La dernière que je n'ai pas filmée, c'était une plaque. Facilement à 30-35 cm. La terre, elle est dure au début, mais après, bon, après, c'est bon. Hein. Voilà. Et là, j'ai une nouvelle trouvaille juste ici. Voilà, si vous pouvez voir. Voilà, ici. Hop. Et c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Prendre une cloche, mais c'est pas une cloche. Ah si, prendre une cloche. On va voir ce que c'est. On va juste planter la pelle. Voilà. Désolé pour le bruit. Hein. Voilà. Ok. Pièce agricole. Hein. Voilà. Je pense que ça va être ça. Peut-être la même chose que l'autre pièce tout à l'heure. Je pensais à un coquier ou je sais pas quoi. Mais je pense pas. Ça a l'air bizarre. Voilà. Allez, je rallume la prochaine trouvaille. Tchuss. Bon allez, fin de la sortie de détection. Après 1h30 de détection. Donc là, parce que j'ai bon, le chat il peut pas tenir non plus toute l'après-midi, hein, ce qui est normal. Le bilan des trouvailles. Donc là, on a un éclat en plomb, en laiton, hein, un éclat d'obus en laiton. Ça, c'est une lame d'harmonica, je ne l'ai pas filmé non plus. Encore un éclat d'obus. Ça, c'était une rondelle en plomb. Donc là, on voit comme la tache, hein, ici. Je ne sais pas à quoi ça pouvait servir. Ça, c'était une grosse plaque que je n'ai pas filmée. Cette grosse plaque, je l'ai faite avant, avant ce gros objet. Là. Je ne sais pas ce que c'est, pareil. Après, ça, c'est la dernière chose. C'est reste de cap ou de bouton. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Exactement. Voilà, un bouton. Ça, pareil, hein. On filmait au bord de la route. Hein. Voilà, la douille. Avec marqué barillet français, je crois. Barillet française. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est le capuchon. Alors, je sais pas si c'est un coquetier. Pour les œufs à la coque ou autre. Aucune idée. Voilà. La monnaie. Bon, par contre, je pense à mon avis, ça, c'est savon. Ça, c'est sûr. Bon, ça, là, l'écu. De toute façon. Et puis le reste de la cuillère en argent, hein. Voilà. Avec encore les écritures. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, ben, de toute façon, je vais revenir dans ce champ, hein, ça c'est sûr. Je vous dis pas quand, parce que j'en sais rien. Et puis voilà, et ça sera de toute façon, ça sera couplé avec avec une autre vidéo, ou peut-être non, je crois que je vais peut-être la laisser sur cette vidéo. Ça fera 10 minutes, mais bon, c'est déjà ça. Hein, c'est déjà ça. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne bonne journée, puisqu'à mon avis, elle va être postée pas avant demain. Elle sera en ligne demain. Et je vous souhaite une bonne journée, hein, tout simplement. Allez, tchuss les abonnés.